Et j'ai combien d'abonnés sur Instagram, les mecs? Aucune idée. Je crois que tu le dois les 200 000. Oula, pas du tout, ok. Eh bien, bonjour à toutes et à toutes les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept harmonieux, un nouveau concept chimérique. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, les potes, on va prendre 2 abonnés sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez participer aux futures vidéos qui auront lieu grâce à Instagram, mon Instagram, il est dans la description. Il s'affiche même juste ici. C'est EntnoMySkillYT. Allez me suivre dessus. Voilà, je réponds à vos messages. Je mets des petites photos sympas, des petites stories drôles. Du coup, voilà, allez me suivre dessus. Ça fait plaisir. Du coup, j'ai mis cette story sur Instagram, comme vous pouvez le voir juste ici, dans laquelle je demande que vous m'envoyez votre pseudo Epic Games en message privé si vous pensez être mon plus grand fan. Comme vous devez le deviner, il y a eu pas mal de réponses, dont 2 personnes. Voilà, je les ai prises, je les ai invitées justement dans mon groupe sur Fortnite. Et je leur ai dit, voilà, comment est-ce que vous pouvez me dire que vous êtes mon plus grand fan alors que vous me le dites tous les deux? En gros, je peux pas avoir 2 plus grands fans, tu vois, il y a obligatoirement un seul plus grand fan. Du coup, voilà, je les ai confrontés sur des petites questions en build fight. Et vous allez voir qu'on a réussi à déterminer qui était le plus grand fan. En tout cas, voilà, si la vidéo vous plaît, bien évidemment, on n'oublie pas le code créateur UMS juste en bas à droite dans la boutique d'objets sur soutenir un créateur. Vous cliquez dessus et vous mettez le code UMS, voilà, en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose. S'il y a écrit créateur soutenu juste en bas à droite de votre écran, ça veut dire que c'est bon. Merci à tous ceux qui le mettent, ça fait plaisir. Et je vais vous demander en ASMR de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Ok, donc vous deux, vous pensez être mon plus grand fan. C'est bien ce qui se moi passe. Moi, je pense, ouais. Ouais. Maintenant, la question c'est, comment est-ce que je peux avoir 2 plus grands fans? Non, je pense qu'il y a un imposteur. Donc c'est soit Tug, soit Raph qui ment. Vas-y, déjà avant de faire des bêtes, je vais vous poser quelques petites questions. À 3, vous allez me dire à peu près mon nombre d'abonnés. À 3, 1, 2, 3. 600 000. 655 000. Ok, il y en a un qui a dit 600 000, l'autre 655 000. C'est exactement... Ouais, c'est 618 000. Oui, non. Du coup, c'est Raph qui a raison, parce qu'il est à 18 000 près. Ça veut rien dire, on est d'accord, ça veut rien dire. Du coup, on va faire quelques petits build fight. Du coup, t'es sur Nintendo Switch, c'est ça, Tug? T'es bon en build fight? Bon, je suis correct. Et toi, Raph, t'es bon en build fight? Non, en vrai, je pense que ça va, je suis correct. Ok, ok. Bah, vas-y, bah, je vais vous emmener sur la map que j'ai utilisé pour le dernier épisode là. D'ailleurs, vous l'avez vu là, un streamer? Ouais, on l'a vu. Ouais, j'ai vu. Je pense, ouais. Ok, c'était qui les streamers que j'ai build fight dedans? T'as build fight Fateux. Ouais. T'as essayé de build fight Kingstar, mais. Exact. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment ça? Oui, c'est vrai. Ouais, exact, ouais. Après, Doel. Ok, ouais. Il est chaud pour le moment. Ouais, Tug, il est chaud. Il en reste un. Un tas. Exact, ouais. Tug, il est chaud. Exact, c'est lui. Putain, ça sent mon score, c'est. Ok, let's go. C'est quoi mon code créateur, le mec? UMS. Celle-là, elle était gratuite, ok. Celle-là, c'était un point gratuit. Du coup, on le rappelle, on a du côté de Raph un clavier souris. Et du côté de Tug, une Nintendo Switch. Du coup, voilà, en plus, ça va faire un petit 1v1 Nintendo Switch VS clavier souris, by the way. Ok, bah. Quand vous voulez, vous pouvez y aller, si vous êtes tous les deux prêts, vous avez tous les deux vos mini potions. N'oubliez pas, il y a les dégâts de chute, et que le plus grand fan le remporte. Ok, let's go. 1, 2, 3, c'est parti. Le premier but de fight, directement, on va partir sur D90 du côté des deux joueurs. On a un petit peu Tug ici qui galère à prendre la hauteur. Raph qui impose son style de jeu, il joue la hauteur. Hein. Il est serein sur sa prise de hauteur. Il risque pas de laisser la hauteur à son adversaire. Il sait que c'est un avantage très, très, très important à prendre en compte dans les build fight. Tug qui va tout de même contester cette hauteur et qui est tombé malheureusement. Aïe aïe aïe, dégâts de chute. Ça c'est fatal, en plus je suis mort comme ça dans la vidéo 1v1. Raph directement qui je pense est en confiance. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi ma dernière story Instagram? C'était celle où t'as cassé une assiette. Ouais, il s'en rappelle vraiment de tout. Hein. Là il est capable de me décrire l'image. Et j'ai combien d'abonnés sur Instagram les mecs? Aucune idée. Je crois que tu le dois les 200 000. Oula, pas du tout, ok, bon, celle-là avait l'air d'être un petit peu compliquée, je suis à 22 000. D'ailleurs, les mecs, mon Instagram, dans la description. Ok, du coup, on est à 1-0, voilà, c'est le deuxième match, les amis, de ce BO5, pour le prix du plus grand fan, qui n'a absolument aucune valeur, qu'on soit bien d'accord, c'est parti. On va dire que celui qui le remporte gagnera un skin. Aïe, 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 il a pris pas mal cher, il me semble, sur ce fight tug là. Il s'est pris pas mal de balles dans le dos. Raph qui impose son style de jeu. On n'oublie pas qu'il y a les petites potions, hein. Ça, faut pas l'oublier, les mecs. N'oubliez surtout pas qu'il y a des mini-potes. J'essaie de pas vous déranger, quand même. J'essaie de monter bien haut. Ok. Tug qui est à la hauteur. Tug qui est à la hauteur. Pensez, bien évidemment, à utiliser les mini-potes. Vous avez également une AR. Tug l'utilise à très bonne escient juste ici pour spam l'adversaire. Il est sur Nintendo Switch, hein. Nintendo Switch, qu'est-ce qu'on raconte? On le rappelle. Aïe 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 aïe. J'ai été spectateur de cette chute. Ah, visiblement Tug qui semble être un petit peu déçu. T'as quel âge Tug déjà? J'ai 13. Ok, et toi Raph?
Bah moi j'ai 4. Ça fait 2-0, déjà 2 morts de chute du côté de Tug. Bien évidemment, le bulk fight ça veut rien dire par rapport à ce qu'on essaie de chercher, mais bon, ouais, c'était juste pour rajouter un petit peu de piment. On rappelle que si Raph venait à gagner ce troisième fight, ça ferait déjà 3-0 et ce serait terminé. Même si c'est des morts de dégâts de chute pour Tug, c'est assez triste. Ok, il est tombé, je crois. Raph qui semble être tombé. Tug, qu'est-ce que je raconte? Raph, il est au-dessus. Il se fait mal à l'air. J'ai failli tomber aussi, mais ça, on n'en parle pas. Ok. Il est juste derrière Tug, il essaie de passer par derrière, il essaie de reprendre la hauteur. Malheureusement, Ruff ne va même pas lui laisser l'opportunité de la reprendre cette hauteur. Ouais, mais bon, si je suis sur Switch, hein, puis... C'est pas facile. Ah, c'est vrai que c'est... J'essaie de ramasser de l'argent pour un PC Gamer, puis de partir sur une chaîne YouTube. Ah, au moins, il y a de l'ambition, c'est bien. C'est bien, on est économiste, puis après, tu feras tes petites vidéos sur ton PC. J'ai une petite question pour vous. Alors, vous voyez, là, mon pseudo actuel, c'est UMS. Ouais, je pense que vous avez dû le remarquer. Ouais. UMS pour... Non, ok, ça va, solide. C'était quoi le tout premier pseudo que j'avais sur Fortnite? Non, le tout premier. Eyo Bayaro. Ok, et du coup, comme mon premier c'était Eyo Bayaro, c'était quoi mon deuxième? Parce que là, j'ai changé de code créateur après. Ouais. Et le troisième? Ensuite, après, UMS. C'est UMS. Ok, ouais, c'est un solide, putain. Eh, hey, c'est ça, c'est quand même solide, hein. Qui a organisé le tournoi Bullfight que j'ai gagné il y a pas longtemps? Il y a pas longtemps. Le bouseux. Eh, hey, c'est compliqué à vous départager parce qu'en fait, les trucs, vous les savez en même temps, genre. Oh, celle-là, vous avez répondu, wesh, au tac au tac, j'ai jamais vu ça. Quel youtubeur m'a aidé à faire un top 1? Un youtubeur hyper connu. Ah, c'était pas Thibaut Chef? Si, c'est lui. Putain. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est des vidéos d'avant, tu vois. C'est un petit peu plus compliqué, ouais, quand même. Quel streamer, Fortnite et aussi youtubeur, qui m'a niqué en avait un? Vraiment, il m'avait bu. Il m'a niqué en avait un. Ouais, bien vu. C'est exact. Il m'avait vraiment fumé sa race. Je m'en rappelle très très bien. Hein. Sa mère, c'était vraiment un moment appréciable. Ok, c'était Mechoué. C'est exact. Ah, et quel youtubeur, Prisme Gang, enfin, youtubeur et streamer, est-ce que j'avais un V1 et que j'avais battu en vidéo? J'ai le Thomas. Ok, attends, c'est ça. Ok, j'ai essayé de faire une question compliquée pour vraiment vous départager. Qui c'est qui m'a fait un prank il y a pas longtemps? Il m'a fait un sale prank quand même. G4B. Un prank G4B. Exact. Est-ce que vous avez le nom du G4B? Il est clavier souris. G4B DWEYZZZ. Ah, tu triches, toi. C'est un tricheur. Quel youtubeur handicapé avec qui j'ai fait une vidéo? C'est Thermi. Exact. Raph, t'es là ou t'es pas là, là? Si, mais je m'en souviens, mais genre, en mode, peut-être, tu vois, comme je regarde plein de vidéos, tu vois, genre... Ah, t'as pas de beaucoup regarder les miennes, mec, hein. Bon, celle-là, ça va être la dernière question. Je vais essayer de trouver quand même un truc plutôt compliqué. Dans quel pays est-ce que j'habite? Maroc. Ok, ça va. Putain, celle-là, c'était sûr. Quelle est la vidéo sur ma chaîne qui a fait le plus de vues? C'est pas celle où tu joues avec le plus chaud de ton lycée. Là. Ah oui, c'est 1v3 contre... Ah, c'est dessus, là, 1v3 contre les noobs. C'est ça. La vidéo 1v3 qui a fait, je crois, 5 millions de vues. C'est colossal, cette vidéo-là avait trop bien marché. Attends, en fait, c'est compliqué de vous départager parce qu'il y en a, tu sais, il y a quelqu'un qui a des réponses de certaines questions et l'autre qui a des réponses de d'autres questions, tu vois. Du coup, c'est assez compliqué. Ouais. Bon. Qui a gagné. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui a gagné le build fight, c'est vrai. Mais est-ce que le build fight, ça veut vraiment dire que t'es plus fan ou pas? Vous direz que c'est qui le vainqueur? En toute honnêteté, selon vous, c'est qui le plus grand fan? Vous pensez? Moi, je pense que c'est lui en vrai. Je pense que c'est peut-être lui. Et toi, t'es... Ah, t'as arrêté, vous êtes trop gentils envers l'un et l'autre, là. Ouais, on dit que vous êtes égalité ou pas? Est-ce qu'on dit ça? Ouais, on dit ça qu'on est les deux plus grands femmes. Voilà, plus grands, c'est bon. Ouais, voilà. On dit ça comme ça? Tu dis, y en a pas d'autres. Moi, ça me va. Ah, ok, bah si ça vous va, moi ça me va. Hein. Bon, j'espère en tout cas que cette petite vidéo, les potes, vous a plu. Voilà, dites-moi si vous voulez que je refasse un épisode comme ça, mais avec des questions préparées et tout, et encore plus hardcore que ça. On va essayer, au fur et à mesure, tu vois, peut-être des épisodes, de chercher vraiment le plus grand fan. Genre vraiment celui qui connaît tout, surtout sur ma chaîne, tu vois. Du coup, voilà, un petit pouce bleu, les potes. On n'oublie pas le code UMS, bien évidemment, dans la boutique d'objets pour... Pourquoi, les mecs? Fravoie du shield. Ouais. Voilà, exactement. Et Raph, t'es où, là, Raph? On te voit plus, mec. What the fuck, mec? Raph, what the fuck, mec? En tout cas, voilà, les potes, code UMS pour avoir un maximum de shield. On se laisse, on se dit à la prochaine. Bisous tout le monde. Ciao.